Et salut à tous, ravi de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est nouveau sur la chaîne, un peu de rallycross. On n'en avait pas fait avec Angel. Et donc, ça va nous permettre un peu de découvrir une nouvelle discipline. Une nouvelle discipline sur la chaîne, bien entendu. Une nouvelle discipline sur la chaîne, donc un peu différente un peu de ce qu'on connaît. Parfois aussi un peu inconnue. Alors, c'est vrai que je sais que nous, pour la plupart, on connaît énormément le trophée Andros, hein, qui se base énormément sur le rallycross, bien entendu, exclusivement sur glace, avec les pneus cloutés. Mais le trophée Andros est clairement un dérivé du rallycross. Le rallycross donc qui se déroule donc sur mi-asphalte, mi-terre, un peu à l'image d'une spéciale de rallye, si on peut appeler ça comme ça, avec des voitures, comme vous le voyez, qui s'apparentent énormément à des WRC pour la catégorie reine du rallycross, donc hein, on pourrait appeler ça la division 1. Et donc du coup, un championnat très très sympa, donc qu'on retrouve bien entendu sur Dirt. Dirt, hein, dont j'ai vanté les mérites, hein, qui est un super jeu produit par Codemasters. Ils ont fait un super boulot, les gars de Codemasters là-dessus. Même peut-être, comme je l'avais dit, si ce n'est pas un meilleur boulot de fait sur Dirt que sur F1. Après, c'est donc bien entendu deux choses différentes, hein. Dirt, on sent vraiment qu'on est là pour le fun, hein, clairement. Passer du très bon temps sur Dirt, s'amuser, s'éclater, le rallycross est une très bonne option pour ça. C'est pas un jeu sur lequel je joue énormément, mais c'est un jeu sur lequel je prends beaucoup de plaisir à chaque fois que je le prends en main. Le rallycross, il n'y a pas beaucoup, il y a un peu d'entraînement à avoir, mais ça vient relativement vite. Là, la difficulté donc étant difficile. Et donc du coup, eh bien pour la difficulté en difficile, ça va. Au début, quand on s'habitue, c'est assez sympa et on passe vraiment un excellent moment. Donc le rallycross, donc qui est un peu ça a une forme assez spéciale, hein, puisque il y a beaucoup de participants à chaque fois. Eh bien, c'est un genre de mini championnat avec 4 épreuves donc au départ. Et puis 4 épreuves de 4 personnes donc. Eh bien, après il y a des points donc, hein, chaque victoire compte. Et donc du coup, eh bien chaque meilleur tour aussi rapporte des points. Et puis à la fin, à l'issue de ces 4 petites épreuves de 4 tours, donc ça sera pour moi, hein, à la base c'est 5 en réalité, et eh bien à la fin il y a donc des points qui sont donc décomptés. Et puis il y a une deux demi-finales et ensuite la finale pour donc aboutir et avoir un gagnant. Donc c'est très très sympa. Donc vous le voyez, mi-asphalte, mi-terre, avec des véhicules qui font un peu plus de 500 chevaux, donc plus puissants qu'en rallye. Et puis donc, eh bien, pour citer une ancienne star de rallye, Peter Solberg par exemple, ou encore un certain Jean Ragnotti qui s'est essayé au rallycross, hein. On sait que Loeb aussi en a un peu fait. Épreuve très spéciale. Donc Dirt qui lui a fait donc la mise à jour, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près, je crois que c'était il y a un mois, et qui donc a fait une mise à jour permettant d'avoir les voitures quasiment du plateau du FIA Rallycross. Et du coup, de se retrouver avec un peu plus de contenu. Et c'est le jeu officiel du rallycross, hein. Vous aurez pas donc tous les circuits, hein, bien entendu. Mais il y en a 3 donc sur, je ne sais plus combien il y en a, il y en a 13. Sur les 13 circuits que compte le championnat du monde. Avec une manche d'ouverture au Portugal, ensuite Hockenheim, la Belgique, la Grande-Bretagne donc qui fait partie du jeu. L'Allemagne, la Suède qui fait partie du jeu également, le Canada, la Norvège qui fait partie du jeu également, la France, Barcelone, la Turquie, l'Italie et l'Argentine. Voilà donc un peu pour citer donc les différentes étapes de ce championnat du monde. Niveau pilote, c'est très... c'est un peu comme en rallye aussi, hein. Il y a beaucoup de nordiques, hein, parce que c'est quand même le rallycross quelque chose, vraiment une spécialité quasiment nordique, puisqu'on retrouve donc, je vous l'ai dit, tels que des pilotes comme Solberg, mais il y a énormément de Norvégiens et de Suédois. Je vais pas tous vous les citer parce que c'est des noms qui vous diront rien. Donc voilà, c'est parmi Solberg qui est le plus connu. Et du coup, oui, de temps en temps, des gros participants tels que Loeb, mais il me semble que la dernière fois qu'il y a participé,
il n'avait pas été phénoménal. C'est une discipline à part entière, donc hein, ça c'est vraiment c'est un sprint hein, quasiment. Faut vraiment se mettre dans le bain très rapidement et c'est vraiment c'est pas si évident que ça au début. Et après c'est vrai que une fois qu'on le prend en main, c'est vraiment un super moment. Et c'est ce jeu Dirt hein, qui propose ça. Hein. Bon, le rallye, c'est vrai que c'est vachement technique quand même, parce que voilà, c'est une spéciale, elle est tout le temps différente. Donc c'est très très compliqué. Spice Peak, c'est pas évident parce que c'est les voitures de l'époque. Donc c'est vrai qu'il faut savoir les gérer, car le freinage et la puissance ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Et sinon le rallycross, ouais, pour passer vraiment un moment de détente par rapport à la F1 qui est très aseptisée par exemple. Bien entendu, Dirt, le volant est obligatoire hein, sur Dirt. J'ai lu ça sur Evo, qui est un magazine, excusez-moi, qui est un magazine qui fait des voitures un peu de passion, des voitures exotiques, qui donc parle souvent de jeux vidéo, et j'ai lu qu'a priori Dirt serait sur console également, sur Xbox One et PS4, à la manette difficile. Hein. C'est pas un Forza hein, par exemple hein, qui est très bien géré à la manette. Hein. On va plus s'apparenter, je pense, à un projet de Cars, sachant que c'est vrai qu'on fait pas du rallye avec une manette. Hein. C'est vrai que ça paraît fou. Même si moi je me rappelle à l'époque sur la Xbox, la première du nom, il y avait un super jeu de rallycross. C'était tout simplement du nom Rallycross Challenge. Non, c'était Rally Sport Challenge et il y avait du rallycross à l'intérieur. Il y avait également de la course de côte extrême avec beaucoup plus de choix de voitures que dans Dirt. Et il y avait également du rallye aussi. Et bien c'était un super jeu un peu multi-plateforme comme on n'a pas l'habitude d'en faire à l'image de Dirt. Hein. Un jeu très très fun donc et qui met en scène des épreuves un peu inconnues quoi. Même si on sait le WRC se meurt un peu, c'est pour l'année prochaine, 2017 il me semble que tout va être refait avec des voitures un peu plus puissantes, un peu plus larges pour être un peu plus impressionnantes. Pour justement attirer un peu plus de foule. La foule, je pense pas, parce qu'il y en a énormément sur les tracés de rallye, mais je pense peut-être de téléspectateurs. Hein. C'est vrai que l'équipe 21 a repris la diffusion du WRC, mais le WRC est très très mal indiqué. Et c'est vrai que Volkswagen le dit, hein. Volkswagen n'a pas du tout les retombées qu'il voulait avoir en se lançant dans le WRC, en l'écrasant de cette manière. C'est vrai que ils n'ont pas eu les, je pense, ce qu'ils attendaient. C'est pour ça qu'ils espèrent sûrement, ça, même si c'est des rumeurs, hein, se lancer en tant que motoriste pour Red Bull notamment. Donc voilà, pour parler de ça. Après, quand vous faites de la course de côte, c'est pas évident non plus. Et donc le rallycross, voilà, c'est une très très bonne alternative pour vous défouler un petit quart d'heure le soir. Il n'y a rien de mieux. Donc on le voit, hein, vous le voyez avec les épreuves, l'IA qui est très sympa, vous avez vu Solberg qui m'a poussé à l'extérieur, j'ai un peu ralenti aussi. Donc vitesse manuelle bien entendu, le G27 vous le savez qui est un volant de très bonne qualité, hein, rien à dire là-dessus, hein, c'est même une référence, mais c'est vrai qu'après il n'est pas modulable comme un Trotmaster ou alors un Fanatec, c'est-à-dire qu'on aimerait passer les vitesses au shifter sur le côté. Alors que là, vous le savez, sur le G27, vous avez tout simplement une basique grille, hein, donc il est impossible, j'ai pas trouvé les moyens, je sais pas s'il y en a, mais même, il est pas possible d'embrayer et de passer les vitesses à la grille, hein, c'est pas possible. Sachant que, vous l'avez vu, vous devez enclencher le frein à main à chaque départ de spécial, et bien là, j'utilise la grille hein, dans une position, et c'est vrai qu'elle n'a pas de revenu, donc il faut la relâcher à chaque fois. Donc c'est vrai qu'un petit shifter en addition, ça serait pas mal, et c'est vrai que ce G27, et bien il n'y a pas d'add-on, hein, à proprement parler, on peut pas changer le volant, tout est fixe, d'où le prix d'ailleurs, hein, c'est vraiment l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, il n'y a rien à dire là-dessus, car vous le touchez aujourd'hui à peu près à peut-être un peu moins de 200 €, sachant que le G29 est sorti, mais vous avez un volant d'une excellente qualité, hélas qui n'est pas évolutif, et c'est bien dommage. Pour en revenir au rallycross, donc je vous l'ai dit, un rallycross qui a un dérivé, c'est le trophée Andros, qui est, pour nous dans le sud, bien plus populaire que le rallycross, hein, ça y est, le rallycross, on n'en parle pas des masses, mais vu qu'on a le trophée Andros qui passe pas très loin, notamment sur Isola 2000 et sur Champs-Rousses aussi,
Non, pas Champs-Roux, c'est un peu plus loin, je ne me rappelle plus de la station. Eh bien, je crois que c'est l'Alpe d'Huez, hein. Je ne sais plus, excusez-moi. Donc du coup, c'est vrai qu'on parle plus du trophée Andros, hein, qui est un rallycross avec des voitures électriques notamment. Et c'est ce qui est un peu perdu de sa magie. Donc le rallycross qui est un peu comme le rallye, hein, une épreuve vraiment accessible à tous. C'est vrai que tout le monde peut en faire et c'est ça qui est intéressant. Vous avez n'importe qui avec n'importe quelle voiture, notamment en Suède et en Norvège, hein, ceux qui avaient mis ça en place. Vous pouvez accéder à faire du rallycross un peu comme vous voulez. Hein. Et du coup, ça, c'est vrai que par rapport à d'autres compétitions automobiles, notamment le circuit qui coûte relativement bien très cher, hein, avec les licences, des fois les passes, hein, quand vous voulez aller par exemple au Castellet le week-end, c'est relativement cher. Même on a à côté de chez moi, un peu moins loin, il y a le Luc aussi, voilà, ça reste quand même cher. C'est vrai que le rallye et puis donc le rallye cross, ça permet d'avoir vraiment des entrées de gamme à des jeunes qui veulent faire un peu du sport auto, et bien c'est bien sympa. Donc le folk car, hein, qui est donc c'est une discipline, hein, qui met en folk car ou folk race, qui est en Suède et en Norvège et en Finlande, et bien permettent à des jeunes pilotes qui même des plus âgés qui n'ont pas vraiment les moyens et qui veulent s'éclater de venir avec des voitures vraiment pourries ou épaves à la limite de la casse et de s'éclater à faire un peu du destruction derby presque, parce que ça tape un peu dans le rallycross, un peu d'action quand même. Et puis bien entendu après il y a des catégories, hein, après c'est évolutif, hein. Vous avez les divisions supercar, donc la division 1 qu'on pourrait appeler, qui rappelle donc l'esprit WRC, hein, avec des moteurs de 500 chevaux et plus et les 4 roues motrices. Donc c'est des véhicules quand même comme celui que j'ai par exemple, la 208 WRX que j'ai pris, qui sont des véhicules relativement bien maniables. Après vous avez les super 1600, donc avec des moteurs de 220 chevaux et des 2 roues motrices. Et après vous avez donc une troisième division avec 4 roues motrices et 2 ou 2 roues motrices. Après vous avez l'F2000. Et puis après vous avez le Challenge Cup Twingo R1. Donc vous le savez, la Twingo R1 qui est sur base de Twingo RS. Avec arceau à l'intérieur. Après vous avez le modèle R2 qui est juste au-dessus, qui est un peu plus spécialisé dans le rallye. Là vous avez vraiment un bon compromis, hein. Une Twingo R1 ça se touche à peu près à 30 000 euros, hein, pour commencer à faire un challenge. Et bien c'est bien sympa. Pour parler des circuits en France, on a le circuit de l'Oéac, qui est donc la troisième épreuve automobile en France. Alors vous voyez, c'est quelque chose, donc quand j'ai fait ça pour faire la vidéo et un peu pour vous parler du rallycross, parce que je connaissais un peu le rallycross, mais pas énormément non plus. Hein. C'était pas, comme je vous l'ai dit, moi c'est plutôt, si on parle de rallycross, c'est du trophée en brosse. Eh bien, pour ma part, je ne connaissais pas du tout le circuit de l'Oéac. Et je ne savais pas aussi que c'était quand même la troisième épreuve automobile en France derrière les 24 heures du Mans et de ce qui était le Grand Prix de France, donc qui se courait à Manicourt, hein, le Grand Prix de Formule 1. Donc c'est quand même un sport qui amène énormément de foule, c'est assez impressionnant. Après je ne sais pas s'ils incluent un rallye tel que le rallye de France par exemple qui se déroulait en Alsace, ou bientôt le rallye de Corse, ou alors le rallye de Monte Carlo. Je ne sais pas si on peut le mettre dans une manifestation comme un circuit par exemple, comme un lieu, sachant qu'un rallye c'est quand même très très espacé à chaque fois. Parce que je pense que quand même au Monte Carlo, par exemple, tous les ans, il y a vraiment énormément de monde qui afflue sur le long des routes. Là, je pense qu'ils parlent purement de circuit. Mais eux, ils pensent que cette manifestation, donc, est la troisième épreuve automobile en France en termes de fréquentation. Donc derrière les 24 heures et donc l'ancien Grand Prix qui se déroulait à Manicourt. Donc le tracé qui fait un peu plus à chaque fois d'un kilomètre, hein, vous voyez c'est très court, hein, ça va très vite, ça s'enchaîne relativement fort à chaque fois. Et donc du coup c'est vrai que c'est un sprint. Parlons du Joker, hein, qui est une sorte d'échappatoire, vous êtes obligé de le prendre sinon vous avez une pénalité. Donc il faut savoir gérer son Joker, vous l'avez vu, il y a des pilotes qui s'enfournent comme une voie des stands, hein, si on peut dire ça comme ça, hein, c'est quasiment ça. Eh bien, si vous ne le prenez pas, vous avez une pénalité, c'est stratégique, hein. Parce qu'après, vous avez des pilotes qui s'enfoncent dedans très rapidement. Il y en a après qui le font à différents tours. Et là, donc, on a attaqué les demi-finales, hein. Et dans ces demi-finales, donc, vous le voyez, il y a 6 tours.
Et donc moi je vais décider de prendre mon joker maintenant. Alors que vous le voyez, ils sont 4 à l'avoir pris. Et c'est Heikkinen donc et moi-même qui ne l'ont pas pris pour l'instant. Et vous avez vu beaucoup de dégâts, hein, voiture avec les pneus crevés et tout ça. Pas mal du tout, hein, Dirt, que je vous le dis encore, hein, super, super boulot sur Dirt. Vraiment très très sympa. Avec tout ce qu'il faut, les temps de réparation qui vont bien quand la voiture est cassée, faut la réparer. Enfin, un bon jeu de rallye, quoi. Et puis, également aussi, qu'est-ce que je voulais dire sur... je voulais vous parler de quelque chose, je ne m'en rappelle plus. La gestion des dégâts qui est très bien faite. Vous l'avez vu, l'IA qui est aussi très agressive. On l'a vu avec Solberg qui a essayé de me sortir. Et donc je pense que la difficulté qui devrait être un peu augmentée la prochaine fois, hein, c'était la première, c'était, j'ai vu qu'il y avait la, en fait quand je suis revenu de vacances, j'ai redémarré le PC et j'ai vu que le Dirt avait fait une mise à jour sur Steam. Et donc quand j'ai vu l'extrait de cette mise à jour donc, qui incluait du Rallycross, hein, du FIA, hein, parce que c'est la FIA donc, hein, qui, comme le WTCC, la F1 et le WRC, organisent ce championnat avec comme sponsor principal Monsters, donc qui fait donc l'organisation du rallycross. Vous l'avez vu, hein, ça rassemble les foules. Et je pense que dans les pays nordiques, ça doit être quelque chose, notamment en Finlande, en Suède et en Norvège aussi. Ça doit être pas mal du tout. Donc voilà pour cette demi-finale, hein. Donc je vous l'ai dit, la difficulté qui doit être un tout petit peu augmentée la prochaine fois en très difficile, j'en avais pas fait sur Dirt, j'ai pris beaucoup de plaisir et je pense que je vais en refaire récemment, hein. Quand vous êtes énervé que vous rentrez du boulot, ben, c'est pas plus mal de se faire un peu de rallycross, ça dure pas très longtemps et ça détend. Donc, et donc vous connaissez aussi, je pense, vous avez entendu parler des, excusez-moi je suis un peu enrhumé, des X-Games Rally. Qui est donc vraiment là, c'est démesuré, hein, ça fait un peu de tout, c'est un peu du rallye, du rallycross et du Gymkhana, c'est proposé aux États-Unis. Et vous avez vu une année, hein, Loeb qui avait participé, hein, et ça restera donc du coup le seul nom américain à remporter cette épreuve, hein, parce qu'on sait qu'il y a des hommes tels que Travis Pastrana ou alors Ken Block qui y participent, c'est souvent en ville, hein, vous le voyez, il y a des tremplins et tout ce genre de choses. On l'a vu en Europe une année, je crois que c'était en 2013 à Barcelone. Hein. Et du coup, ben non, tous les ans, c'est quasiment à chaque fois donc aux États-Unis. Et Loeb, hein, qu'il avait remporté en 2012 avec une Citroën DS3 XL, hein, donc un peu à l'image de celle que Peter Solberg utilise ici. Donc pour cette finale, et c'est Solberg d'ailleurs qui a pris la tête de cette finale. Donc les X-Games qui sont vraiment très impressionnants sur base de rallycross. Car il me semble, je les ai cités, mais il n'y a pas de... En rallycross, il n'y a pas d'étape aux États-Unis. Hein. Il y en a une en Argentine, je ne m'en rappelle plus. Mais je crois qu'il n'y en a pas aux États-Unis. Eux, vous savez, les Américains sont friands de grands spectacles. Alors que je vais prendre mon joker, je m'insère. Le dépassement sur Solberg, vous l'avez vu, on s'est un peu accroché. C'est Solberg d'ailleurs qui reprend la tête. Et c'est donc le dernier pilote à ne pas avoir pris son joker. Donc il sera forcément pénalisé tôt ou tard. Et c'est vrai qu'après, ben, une fois que vous avez la voiture en main, ça va beaucoup mieux et vous allez de plus en plus vite. Donc j'augmenterai la difficulté la prochaine fois au maximum, hein, très difficile. Je pense que c'est largement jouable, hein, parce que vous l'avez vu, l'IA encore un peu qui a brouté, hein, parce qu'elle était en 40 et quelques dans les séances, hein, dans les toutes premières manches. D'ailleurs, vous le direz, hein, j'ai passé, vous avez remarqué, j'en ai passé une, hein, c'était la première que j'ai gagnée relativement facilement, donc je ne l'ai pas mise parce que la vidéo aurait été trop longue. Et du coup, j'ai mis les trois suivantes où il y avait un peu plus de piment et d'action. Et vous avez vu qu'à certains moments, l'IA a tourné très bien en 40 et quelques, un peu dans mes chronos à moi. Et puis c'est effondré dans cette demi-finale, hein, où je les ai trouvés vraiment relativement très lents. Et même pendant cette grande finale, voilà, ils ont moins aussi de performance de la part de l'IA, donc le très difficile est largement envisageable. Niveau des aides de la voiture, j'en ai désactivé quelques-unes, pas toutes. Je pense pas que je referai de vidéos sur le rallycross, mis à part s'il y a énormément de demandes. Hein. Voilà, c'est comme d'habitude, vous le savez, étant donné qu'une vidéo prend énormément de temps, hein, même celle-là, hein, même du rallycross, pour vous le proposer, vous le montrer, vous le présenter, ça prend énormément de temps. En gros,
à peu près le temps de tourner la course, hein, bien entendu. Hein, tout ça, ça prend à peu près quasiment une heure, hein, quasiment. Hein. Et ensuite, monter tout ça sur Sony Vegas, faire les commentaires par derrière, assembler, faire le rendu en HD et la poster sur YouTube, hein, voilà, ça prend énormément de temps. Donc s'il y a de la demande, je referai une vidéo, mais moi, vous le savez, ma principale, je me centre sur F1 2015 et mon championnat. Donc c'est vrai que faire des vidéos en parallèle comme ça, c'est vraiment juste pour le plaisir. Hein. Donc du coup, la prochaine fois, si j'en refais une, tout sera augmenté, je lèverai encore plus d'aide et je mettrai bien entendu la difficulté un tout petit peu plus élevée, donc à son maximum. C'est des tests, tout ça. Et c'est vrai que là, vous voyez, dans cette finale, ça manquait un peu de... Ça manquait un peu de piment, on va dire, par rapport aux épreuves du mini-championnat, là, où c'était vraiment... Il y avait vraiment du jeu. J'ai fini quatrième, notamment, et puis ensuite troisième. Il y avait un peu plus de baston. Donc le circuit anglais qui est relativement difficile, en plus. Hein. C'est celui que j'ai utilisé, hein, vous le savez. Donc qui propose, bien entendu, sur Dirt, à chaque fois, il n'y a pas beaucoup de circuits, hein, mais c'est un peu à l'image de Forza, qui en propose plusieurs sur un. Là, vous en avez en l'occurrence en Angleterre trois, donc trois différents, avec le grand, le petit et un clubman. Donc celui-là, ce sera le grand. Je ne sais pas lequel ils utilisent en championnat du monde, parce que cette épreuve, elle fait partie du championnat du monde. Et du coup, il y a la Suède et il y a la Norvège aussi. Là, je sais que la Suède, et je l'avais essayé aussi, j'ai choisi l'Angleterre, mais pas mal du tout. Donc ben, je vous conseille Dirt, hein, je le répète encore, mais Dirt qui est un jeu qui évolue constamment, donc, hein, avec donc une mise à jour assez conséquente qui était gratuite. Mais c'est un jeu qui évolue constamment, et sur Instant Gaming, voilà, je l'ai touché à 23€. Donc 23€, un jeu aussi sympa que ça, si vous avez un volant, n'hésitez pas, foncez, vous allez passer vraiment un très agréable moment. Et c'est vraiment très 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 sympa. Donc voilà, alors on se retrouve très vite donc pour du F1 2015 ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite découverte. On va se retrouver très vite aussi pour du Forza. Moi je vous dis à bientôt, en attendant, salut à tous.